السلام عليكم مشاريع ايتيديون، نتمنى تكونوا بصحة جيدة في أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله باش ترضوا لي بارون ديالكم وحتى لي بروف ديالكم إن شاء الله في لافان ديال لاني سكولير. دونك في الانستغرام كنا درنا واحد لا كوريكسيون ديال الاكزامان نيمورو 1، وقعوا لي بروبليم في لونغوجيسترمون. دونك في هاد لا فيديو هذا إن شاء الله غادي نعاودوا نديروا لا كوريكسيون دو نوفو. Cet examen est un exemple d'un examen sciences physiques. Il fait pas mal de trucs, surtout la lumière. Les étudiants des sciences maths et Steph Dumelachiada. Donc, nous avons l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 a fait l'examen avec 4 points essentiels. Ou bien sûr, comment on peut corriger et répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. Donc, onde mécanique progressive à la surface de l'eau. Donc, pendant une séance de travaux pratiques, un professeur accompagné de ses élèves a réalisé, en utilisant la cuve à ondes, l'étude de la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau. Ceci dans le but d'identifier certaines de ses propriétés. Donc, ben, alors, je nomme les propriétés, les qui sont bien sûr faites de la propagation des ondes flow, donc filmées. Donc, on éclaire la cuve à ondes par un stroboscope et on obtient une immobilité apparente lorsqu'on règle la fréquence NS, yani la fréquence de stroboscope, à 20 Hz. La figure 1 représente les lignes telles que AB égale bien sûr 4,5 cm. On ajoute au bassin deux plaques distantes de A égale à 1,2 cm. L'obstacle de Rotem. Les cercles, il y a les ondes dans l'eau circulaire. L'onde qui se propage d'île transversale ou bien longitudinale. Donc la question numéro 1, question de cours, réponse directe. Donc on a fait qu'il mentionne le cours, la propagation d'une perturbation dans l'eau. Voilà, est une onde transversale. On va justifier de l'écart, la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Bien sûr, si je n'ai pas le cours, bien sûr, on gauche le sens, la direction est une droite, donc on regarde la droite à la perpendiculaire ou bien parallèle. Donc, deuxièmement, on va déterminer la fréquence. Ainsi, la longueur d'onde et en déduire la célérité de propagation de ces ondes. Bien sûr, l'expérience de Schnödel, un vibreur muni d'une aiguille, par exemple. Voilà, c'est un vibreur, c'est une cuve à eau, la cuve à onde. Voilà. Jinana, bien sûr, à côté d'une cuve, ou d'une cuve, le stroboscope. Le stroboscope, qu'est-ce qu'il dit? Il met des éclairs. Donc, on a fait le stroboscope. Il est maintenant un arc d'une cuve à onde. Un vibreur qui dit le mouvement de vibration continue. Est-ce qu'il y a une fraction faciale d'eau? Il y a des cercles. Et il y a des WR, mesiens. هاد الدوائر هادو ملي غنكون كنلاحظ انا ما كاينش هاد الستروبوسكوب غنشوف لا رياليتي اش كيبان ليا كيبان لي بحال دسار بحال مثلا انا خديت واحد لونسانت وبقيت كتقطر غوت ا غوت اش كيبان ليك في لا سيرفاس كارن ديالو كيبان لي دسار بيان ماتنو اش غادي ندير ماتنو غادي نخلي الفيرومين خدامه ولكن اش غنقول لك انت غنقول لك اوبسيرفي انا اش كندير كنبقى نبرز لك لوي ديالك كنديرونجي لك l'observation directe du phénomène que prend des éclairs. Il y a des chipines, il y a des surface de l'eau. Mais tu as la réalité.
ou bien sûr fait khadiya le cours de le périodique fassna en détail gna imta kanchouf l'immobilité apparente yani mlek tbani ana hadouk le cercle kibayou bhal la waqfin l'immobile immobile tafkhin bhal rien impose huma ra en mouvement walakin puisque nta kadérangini ana bla zeclair بالاشعه الضوئيه ما كنشوفش لا رياليتي بيان سور بيان دونك دون كيل كا اون اوبسيرف لي موبيليتي ابارونت نقول لي موبيليتي ابارونت لي بغا لي ديتاي بلوس ارجع لو كور هذاك الشيء ديتايته بلوس لي موبيليتي ابارونت الكونديسيون ديالها هي انه تكون ان ايغال ا ك فوا ان او ولا نفتح الحاله سماه NS, yani la fréquence des stroboscopes. N, il y a la fréquence d'onde. Donc NS, à quoi est égal? C'est N sur K. Qui peut dire N, NS ou K, mais non, sont inversement proportionnels. NS et K sont inversement proportionnels. Il y a une HNIH, nous avons fait le cours, bien sûr, K appartient à N étoile. Moi, je suis bien sûr, je ne fais la vibration en phase. Bien. Donc là, maintenant, je vais vous donner un plus grand nombre de personnes pour que NS maximal. Donc, pour que NS maximal, il faut que minimal. Et le plus grand nombre de ce groupe est 1. Donc, il y a K égal à 1. Automatiquement, il y a NS maximal. Je vais vous dire, il y a N. Je vais vous donner un plus نفسها دونك هي 20 هرتز هذه الكونديسيون ديال لي موبيليتي ابارونت وبيان سور هاد لابارتي جو ريبيت هاد لابارتي تحيدات من ليكزامان ناسيونال ولكن لي بروف كيحطوها في الكونترول كونتينيو وبيان سور راه شرحتها اون ديتاي وعطيتكم دي زيكزومبل عطيت دي زيكزومبل علاش لوي ما كتبش شي حاجه دونك بحال مثلا في الحال ديال لي زون سونور لي زون سونور مالهم لي زون سونور علاش سميناهم اون سونور يعني اون اوديبل ملي كنقول اوديبل يعني راه كاين واحد فريكونس عند لوغاي باش كديتيكتي واحد لو سون في التيلي هاد الفريكونس ما غتبقى تسمع والو بحال مثلا لوند اولترا سونور ما كنسمعوهاش لوند انفرا سونور انفيريور ا 20 ما كنسمعوهاش حتى هي اذا حتى اي حاسه عند لوم راه عندها دي فريكونس ليميتي حتى لوي باش تشوف لا رياليتي خاصها واحد دي كونديسيون انت اش كدير تو بيرتورب لي كونديسيون ديال لوي يعني كتبرزها ما كتخليهاش تشوف لا رياليتي بيان لقينا لا فريكونس اللي هو بيان سور غيكون فريكونس ديال الستروبوسكوب متساوي دونك هو 20 قال لك ان سينامو غوتوند دونك انا حطو في الفيغور اللي عطات تمايا فوالا دونك عطاني دونك هاد الفيغور هذا كاين عندي هنا ا ها هي لو بوين ا وهنا كاين لو بوين بي كاين لو بوين بي دونك لا ديستانس بيناتهم ماشي بيان سور شنو في لو كور دونك من هنا هادي سي اون كريت هادي سي اون كريت هادي سي اون كريت هادي سي اون كريت دونك هادو شاك وهنا في عندي لو فيبرور هاد البوان فين كيضرب الفيبرور هي هادي فوالا تفقين بيان دونك هادو كل وحده من هاد لينين سون ديكريت دونك لا ديستانس من هنا شنو هي سي لونغور دون لامدا بما ان هادي كريت وديكريت دونك هادي راه ايت اون لامدا دونك ا بي شحال فيها من لامدا فيها 3 لامدا دونك نقول ليه دابخي لا فيغور دابخي لا فيغور فوالا لا ديستانس ا بي ايغال 3 لامدا Donc automatiquement lambda à quoi est égal? Égal AB sur 3. Donc lambda égal AB à Alia. Donc égal à 4,5 cm. Et sur 3, on a 1,5 cm. Donc lambda sera de série. Il y a 1,5 cm qui sera la puissance moins 2. Ou les derniers mm. Ou les transformations des unitaires à douille à en déref le cours. Donc, après Galia,
déduire la célérité. Donc, on sait que V égale à lambda sur T, mais sur la longueur d'onde sur la période, égale lambda sur la période qui fait le cours, ou 1 sur N, N a la force, tout le monde a lambda fois N. Donc, la célérité égale à lambda, il y a 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois la fréquence, ni au Mogania 20. Donc la célérité, je vais chercher jette, donc 0,3 mètres par seconde. Donc l'étudiant n'est pas le cours d'hier ou m'sien, mais il sera bien sûr des problèmes, des questions qui vont nous aider, mais qui n'est pas le cas. On a des outils, ou les outils de l'étudiant, mais ou le cours, surtout la physique. Comparer l'état de vibration des points A et B. Donc, d'après, aussi d'après, d'après la figure, où on a la canto, le cours, pour comparer l'état de vibration entre deux points, quand on parle de la distance binatum à lambda. Quand on parle de la distance binatum à lambda. Donc, la distance AB à quoi est égale, d'après la figure? C'est 3 lambda. Donc, AB égale K fois lambda. Donc, la distance AB s'écrit sous la forme K fois lambda. Tel que, la réponse d'écrit, c'est comme ça. Tel que K égale 3 appartient à N étoile. Donc, je nous connais le cours. Donc, A et B, fait des conditions, vibre, les deux points, vibre en opposition, ou bien, donc, fait des conditions, elle dit, les points A et B, vibre en phase. Vibre en phase. Après, il y a la question numéro 4. Lorsqu'on règle la fréquence du vibreur sur la figure, donc la question 4, lorsqu'on règle la fréquence du vibreur sur la valeur N' égale à 30 Hz, on trouve lambda prime, qui bien sûr le quête 1,1 cm. Calculer la célérité V' et la comparer avec V. Donc, et en déduire la nature du milieu de propagation. Donc, premièrement, je vais vous V'. Donc, on a V' égale à lambda prime fois N prime. Bien sûr que nous avons la vitesse où V égale lambda fois N. Donc V', on va dire les paramètres. Donc, on va dire les valeurs. Donc, on va mettre V' par la K. Donc, égale lambda prime est 1,1 fois 10 à la puissance moins 2. N' égale à 30 Hz. Donc, V' à quoi est égal? Donc, égal à 0,33 mètres par seconde. Donc, V' qui est égal à 0,33 mètres par seconde, supérieur à V qui est égal à 0,3 mètres par seconde. Donc, la longueur d'onde et la fréquence, tout de suite la célérité. Donc, ça veut dire là, le changement de fréquence. Donc, le changement de fréquence va influencer la vitesse. Donc, ce qu'on a là, c'est l'eau. On va devoir bien sûr déduire la nature du milieu. La nature du milieu, le milieu, on a l'eau. L'eau est un milieu dispersif. Pourquoi? Car la célérité, car
célérité de propagation, la célérité de propagation des ondes dans l'eau dépend, voilà, dépend de la fréquence. Dépend de la fréquence. Donc, de la fréquence, de la célérité, est-ce qu'on voit le milieu? Comme vous voyez, un milieu dispersif. Cinquièmement, avec la fréquence est réglée à nouveau sur 20 Hz. Donc, ce n'est pas l'objectif de l'expérience. Il y a des conditions de l'exercice. Mais il y a 20 Hz. C'est une limite de la célérité. Il y a 0,3, mais il y a de la longueur d'onde. Il y a 1,5 cm. Bien. Donc, la fréquence est réglée à nouveau sur 20. Recopier la figure 1 et représenter l'allure des ondes après la traversée de la fente A et calculer l'écart angulaire. Donc, on a marqué l'espace, mais il y a un. Donc, on a une figure d'IELI. Bien sûr, quand on a dit que c'est la rate, il y a une crête, il y a une 4 crêtes. كتصمي كارت خيط هنا بيان سور عندي ان اوبستاكل ها هو موني دين فونت دو لارجور ا ها هي ا هادي هي ا فوالا لا فونت ديالي بيان دونك بعد ما جاي لا فريكونس انيسيال يعني غادي نخدم بلامدا الاولى دونك لامدا عندي 1.5 سنتيمتر سوبيريور ا ا L'égalité de 1,2 cm. Donc, la condition de diffraction est vérifiée. Après, donc, un des lambda supérieur à. Donc, maintenant, je vais te dire que là, j'ai la diffraction de l'IELI. Voilà. Donc, on dit les 4 crêtes. À distance, on dit le halana. Voilà. Donc, qui fait mettre le cours la moitié de diffraction à l'extrémité. Voilà. Donc, l'angle est indiqué de ce mal. L'écart angulaire θ. À quoi est égal? Bien sûr, θ égale lambda sur A. À θ, il y a l'angle situé entre la moitié de la diffraction et l'extrémité de la diffraction. Donc, lambda, bien sûr, 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 1,2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, θ égale à 1,5 sur 1,2. Bien sûr, la valeur trouvée, bien sûr, là, en radian. Donc, là, nous avons dit, l'angle est dit, qu'est-ce que angle diffracté ou bien incidente, l'eau là, angle incidente, ou elle dit diffracté, elle est au cas où elle a la diffraction. Bien sûr, elle a l'obstacle, ou elle dit c'est une fente, ou elle dit bien sûr la longueur d'onde, nous avons dit qu'elle a dit, elle dit lambda, voilà, ou elle dit lambda, la diffraction le cours conserve les grandeurs. De là, les grandeurs physiques d'onde. Il y a une négative lambda constante, la vitesse qui est avant l'obstacle, il y a qui est après l'obstacle, la longueur d'onde qui est avant l'obstacle, il y a qui est après l'obstacle, la fréquence et la période. Toutes les mesures, toutes les grandeurs de l'onde restent constantes, l'aspect d'elle. Donc, je vais d'abord l'exercice numéro 2. Donc, je vais vous dire, le sonar est un capteur formé d'une onde qui contient un émetteur E et un récepteur R. Des ultrasons, elle est utilisée dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permet au navire de s'approcher de la côte en toute confiance. Et bien sûr, quand on a un navire, quand on a la côte, quand on a un sonar, pour savoir la profondeur de l'eau qui est en train de se faire, pour pouvoir entrer dans le port, tout en toute confiance, mais je mets le droit de fond là, la terre, bien sûr. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 2.
Le sonar est un capteur formé d'une sonde qui contient un émetteur E et un récepteur R, des ultrasons. Elle est utilisée dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permet au navire de s'approcher de la côte en toute confiance. Donc, pour déterminer la profondeur, l'émetteur E émet des ultrasons sinusoïdales vers le fond de la mer. Une partie de la, bien sûr, une partie de ces ondes ultrasonores réfléchissent et sont captées par le récepteur R. Donc, je fais le cours, mais quand on a la réflexion des ondes sonores ou bien des ondes ultrasonores, toujours la distance multipliée par 2 si, bien sûr, la source est fixe. Donc, le graphe ci-dessous représente le signal émis par E et le signal reçu par R. Donc, premièrement, on va choisir là où les bonnes réponses. Donc, les ondes sonores et les ultrasons sont des ondes transversales, bien sûr. Je n'ai le cours, les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Les ultrasons sont des ondes audibles. Les ultrasons, bien sûr, sont des ondes non pas audibles par l'homme. Donc, je ne sais pas, ondes sonores, c'est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Le son audible. Plutôt, si on a dû y aller, bien sûr, on a les ondes sonores, ou les ondes audibles. Si bien sûr qu'il le cours. 20 Hz et 20 kHz. Il y a 20 000 Hz. Maintenant, il est qu'un fait de l'intervalle. La sonore, il est audible. Il est qu'un ultra sonore. Il est qu'un infra sonore. Donc, les ultrasons ne sont pas des, bien sûr, des ondes audibles. Donc, tatanitawa, réponse fausse. Donc, la fréquence des ondes sonores varie avec le milieu de propagation. Je nous connais le cours. L'équipe selon le milieu de propagation, mais la célérité des ondes sonores. Les ondes sonores se propagent dans le vide et dans le milieu matériel. Non. Les ondes sonores, bien sûr, capables de se propager dans les milieux matériels. Fakat, alesh, hakash sont des ondes mécaniques. Et là, l'onde sonore est tridimensionnelle. C'est bien sûr correct, c'est vrai. L'onde sonore sont des ondes tridimensionnelles. Et lors de la propagation d'une onde mécanique, seule l'énergie qui se propage. Vrai, bien sûr, pourquoi Gna, la définition dit le. L'onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation, bien sûr, dans un milieu matériel avec transport d'énergie et sans transport de la matière. Donc, seule l'énergie qui se propage concernant l'onde mécanique. Donc, les deux choix, l'akhrin, on a bien sûr l'eshah. On utilise des ultrasons de fréquence N égale à 200 kHz qui se propage dans l'eau de mer avec une célérité VO égale 1500 mètres par seconde. Donc, attendez la fréquence, attendez bien sûr la célérité. Calculez la période et la longueur d'onde. Donc, tout simplement, on sait que la période 1 sur N. Donc, T, application numérique, il y a 1 sur 200 fois 10 à la puissance 3, bien sûr, parce qu'on a 1000 kHz. Donc, on a 5 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. On a la longueur d'onde. Donc, on sait aussi, on a V égale lambda sur T, donc je pourrais avoir la longueur d'onde lambda, il y a bien sûr un S, mais VE, et le V dire les ondes sont dans l'eau, donc il y a V dire l'eau fois T. Donc on a votre application numérique, lambda égale à 1500 fois 5 10 à la puissance moins 6. Donc je vais 7,5 10 à la puissance
moins 3 mètres. On lit bien sûr 7,5 millimètres en millimètres. Bien. J'ai forcément écrit le millimètre, mais juste chez l'étudiant est prêt de voir les changements des unités. Donc, à partir du graphe, déterminer la durée d'état qui est parcourue par l'onde ultrasonore pour traverser une distance d. Bon, bien sûr, tu m'as parlé de la figure. Oui, elle est le cours là. Il y a juste quelqu'un, soit le retard horaire, soit bien sûr la durée de perturbation. Donc, deux signaux là. L'onde émise, bien sûr, l'autre, l'onde reçue. Donc, le retard horaire, soit quand même le franc. Le front, une chose comme une division, ou là, même faire tel fin le signal. Bien, donc nous avons bien sûr une fin tel fin, une fin générale, carreau direct, telle figure. Donc on a une division, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc delta t ou bien taux, c'est 6 divisions fois chaque division représente 5 millisecondes. Donc on a par division, chaque division à division. Donc il y a 6 fois 5 millisecondes fois 10 à la puissance moins 3. Donc delta t égale bien sûr à tiens, attends, en seconde. Delta t à quoi est égal? C'est 0,03 secondes. Donc déduire. C'est déduire la valeur de D. Donc, il faut maintenant que donc, c'est une application. Voilà. On a le fond. On a le sonar. On a le sonar. Et maintenant, c'est l'exercice sonar, là, la sonde. Donc, bien sûr, il joue deux rôles. Fille émetteur ou bien sûr, fille récepteur. Donc, l'émetteur va émettre des ondes ultrasonores, bien sûr, reçues par le récepteur. Voilà. Donc, à la distance, elle dit, c'est dit quoi? Dès donc là, moi j'ai dit, des ondes ultrasonores, on a bien sûr parlé, mais je me suis un récepteur. Bien. Donc, là, je vais vous donner un examen national. Je vais vous donner un ou une réflexion, yani la distance qui est indifférente aller et retour. Mais non, faites l'exercice, ils ont facilité les choses. Allez, il y a une distance ici, mais ici, ici. Donc, mais les réflexions, tu as la distance fois 2. Ou alors, il y a une distance ici, mais ici. Je dis, l'examen national, on considère que les ondes sonores suivent un trajet rectiligne ou bien vertical. Yani, donc verticalement, on a l'argent. On considère que les ondes sonores suivent un trajet vertical. Et nous avons dit que 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 nous on la valeur de la 20 degrés ou 30 degrés, etc. Ou bien sûr, on a fait chez segment de l'hado, ou chimta, soit le sinus ou le cosinus, ce sera bien sûr la distance. Bien. Donc, monsieur de Benna, avec le tableau de la Hadi, on sait que, on sait que, bien sûr, V égale, d'une manière générale, D sur delta T. Yeah. La distance parcourue deux fois, il y a une des VE, la distance est 2D sur delta T. Donc automatiquement, il y a un ou j'ai un donc D, ça c'est oui. Il y a V diallo fois delta T sur 2, donc D égale à 1500 fois 0,03. Donc de cette manière, nous avons trouvé la distance D,
22,5 mètres. Voilà la profondeur de l'exercice, bien sûr. Donc, exercice li qui me fait ma clame d'aria. Donc, je me prends une fois à la limite, les deux avec l'angle, un exercice, exemple là. Voilà. Ou un sonar qui est donné là. L'effet émetteur-récepteur, soit il détermine la profondeur, ou là, il détermine les endroits où il ferme les poissons. Et maintenant, on a dit. On a dit, on a dit, maintenant. Donc, on a dit, le groupe des poissons. On a dit, voilà, de son. On a dit, quand on a dit l'émission de la Bhalaka, voilà, on a dit. L'émission ou la réception qui est là. Et maintenant, il y a l'angle alpha. Le triangle alpha égale 30 degrés. Et là, c'est une distance d. Voilà. Et là, il y a la hauteur h. Donc, les ondes sonores, j'ai l'autre là. Ultrasonores, j'ai l'autre là. Le corps des poissons. Ou des rôles de réflexion. Il y a des changements de milieu. À chaque fois qu'il y a une le cours, il y a des changements de milieu, bien sûr, qu'est-ce qu'on dit? Réflexion. Donc, réflexion qui est là. La réception. Donc, le retard horaire entre l'émission et la réception, taux égal à, bien sûr, 0,6 secondes. On va être, bien sûr, la vitesse des ondes ultrasonores dans l'eau, V de l'eau, il y a 1500 mètres par seconde. Trouvez D et H à la hauteur L. Attends, c'est mina H. Donc, premièrement, j'ai un goulot V. Égale à la distance parcourue par les ondes sonores, D plus H. Donc V de l'eau égale, dans cette situation, il y a D plus H sur taux. Mais, là, on a dit que D ou H, dans l'équation, bien sûr, il y a deux inconnus. Je vais vous dire, c'est d'autres paramètres. Nous avons dit, bien sûr, le sinus. Donc, sinus. Dire alpha égale l'opposé, les OH, sur l'hypoténuse, les OD. Voilà. Donc, H à quoi est égal? Vous voyez, notre cosinus, en fait, l'adjacent, sur l'hypoténuse, ou de l'adjacent à l'indice. Après, vous voyez, notre tangente, on dit OH, l'opposé, sur l'adjacent, l'indice, l'adjacent. Donc, vous voyez, la situation liée à celle-là, il y a un sinus, donc sinus. Alpha sur l'opposé, le mokabil, là, l'hypoténuse, les oies, elle doit attaquer. Donc, H à quoi est égal? C'est D fois le sinus de alpha. H, je n'ai pas de tout le monde V égale à D plus, je n'ai pas H, plus D sinus de alpha sur taux. Donc, automatiquement, on a tout le monde y a D facteur de 1 plus le sinus de alpha. Toujours la vitesse de l'homme d'où j'allais chier là, elle est claire. Donc, D, je vais te servir automatiquement la distance D égale à V dialogue fois taux sur 1 plus le sinus de alpha, mais sèche, dès le mode des calculatrices en degrés. Bien, ok, la D, la D, la D, la D, la D, alpha, yeah. Donc je peux calculer H aussi. Donc, il y aura. يخدمك شوية عندك لونغ كيما قلنا قبيله وبقى بيان سور تعمل مع هادشي ساهل ماشي شي حاجة صعيبة. دونك ماتنا غادي نمشيو لي زوند لومينوز اكزارسيس نيميرو 1 بيان سور هو اكزارسيس واحد وكاين فيه دو بارتي. بارتي 1 غادي بيان سور تبدا فيها ديفراكسيون دي زوند لومينوز اي بارتي 2 لا ريفراكسيون دو سي زوند. دونك بروميامون ديتيرميناسيون دو لا لونغور دوند لامدا دو لوميير مونوكروماتيك دون لو بيان سور بيان سور. Donc maintenant, on va aller sur l'exercice numéro 1, les ondes lumineuses, ou bien sûr, on a l'exercice 1, donc il fait deux parties. Donc, premièrement, détermination de la longueur d'onde, lambda d'une lumière monochromatique Donc, comme je vous les ondes lumineuses, exercice 1, donc il fait deux parties. Partie de la diffraction des ondes lumineuses.
Au parti 2, faire la réfraction des ondes lumineuses. Donc, détermination de la longueur d'onde lambda d'une lumière monochromatique dans l'air. On réalise une expérience de diffraction de la lumière par une source laser monochromatique. Monochromatique, ça veut dire une seule couleur. De longueur d'onde dans le vide lambda. On pose à quelques centimètres de la source un fil mince de diamètre A. Le fil est distant d'un écran de D égale 5,54 mètres.